Trudel également qui va rejoindre ses coéquipiers. Des Ramel, Touloupard aussi qui est tout près. Chad Lacasse qui est là aussi. Souviens-toi là, écoute. L'histoire de Chad Lacasse, ouais. Qui savait que c'était une grosse année pour les 3L. Et malheureusement, t'as pas là pour en profiter en tant que joueur. Exact. Apporte ton soutien, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, Chad Lacasse était de tous les voyages depuis le début des séries. Ouais. Et là, il y a même des partisans de Rivière-du-Loup qui festoient. Ça se fait dans le calme, heureusement. Ouais, là, présentement, ça semble assez calme dans les gradins. Alors, nous, on va en profiter pour faire une pause. Kevin, lui, qui va se rendre, évidemment, tout près de la patinoire, dans le vestiaire peut-être, pour les échos de vestiaire. On appelle la marque finale, les 3L qui l'emporte 4-0 contre les Prédateurs à Laval. Il remporte cette série en 6 rencontres. Restez là dans quelques instants, les échos de vestiaire, émission d'après-match. Vous écoutez le hockey des 3L sur les ondes de Ciel et Choc FM. Kevin, tu vas pouvoir s'entretenir. Oui, Kevin, je m'interroge sur la plateforme présentement. Je veux m'entretenir immédiatement avec Cindy Simard. Cindy, tout sourire, même les larmes aux yeux, tes premiers commentaires, c'est incroyable ce qu'on vit présentement. Kevin, écoute, j'ai pas de mots, ça fait 12 ans que je fais dans la carrière du loup, puis jamais on a été proche de la finale, jamais j'ai vécu des moments comme on vit présentement, c'est incroyable, puis faut que je l'avoue, là, j'ai pleuré de joie, vraiment. Ça n'a pas été un parcours facile. Il y a eu des années plus difficiles, mais là, on sent l'engouement partout au KRTB. La ville est hockey, le KRTB au hockey. J'imagine que les prochaines semaines, ça va être exceptionnel. Ah, écoute, Kevin, c'est incroyable qu'on vit présentement. Puis les partisans aussi qui sont avec nous et qui nous suivent depuis le début des séries, 3500 personnes, c'est incroyable. Puis des gens de partout, on est tellement contents. Puis les gars sont contents, on a tellement de belles équipes. Puis je te le dis là, 12 ans de hockey plus difficile pour que ça nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui, là, ça valait vraiment la peine. Merci beaucoup, Cindy. Profite-en. Merci, pas de ça. Je sais que c'est le bon pour vous autres aussi. Merci à tous nos partisans. Go, les trois en finale! Donc, Louis, je vais m'entretenir également avec la première étoile du match. J'ai pas entendu les étoiles, mais assurément, l'homme clé de ce match-là, Guillaume Bessel. Guillaume, tes premiers commentaires. Hier, tu n'étais pas le gardien de but partant. L'entraîneur t'a fait confiance. Puis je pense que c'est une des grandes performances qu'on a eu le droit de voir jusqu'à maintenant, Rivière-du-Loup, de la part d'un gardien de but. Écoute, c'est moi, Alain. J'ai su hier que j'allais être début aujourd'hui. Puis mon but premier, c'était de finir ça ici à soir. Puis je me suis préparé en fonction là. Aussi, je devais ça à mes partisans. J'ai pas été au top de ma game en première série. Là, j'ai démontré que. On va être bon pour se rendre en finale et jouer du hockey. Merci beaucoup, Guillaume.
parfaite et elle dit l'arrêt de l'année également en deuxième période. C'est peut-être l'arrêt là, qui a fait vraiment mal aux Prédateurs. À ce moment-là, les joueurs ont su que tu étais imbattable ce soir. Est-ce que tu penses justement que c'est l'arrêt-clé? L'arrêt que tu as volé avec ton gars? C'est sûr que ça leur a brisé les jambes un peu. Mais je crois que les désavantages numériques qu'on a eu en première période aussi, de ne pas marquer des buts, manquer des chances, c'est sûr que ça leur a fait mal, là, mais cet arrêt-là, ça leur a amplifié la situation là, pour eux. Merci beaucoup, Guillaume. Te laisse aller festoyer avec tes coéquipiers. En compagnie de Sylvain Deschaplet et de Samuel Lévesque. Les boys, grande finale de la Ligue nord-américaine de hockey. Vos premiers commentaires. Je veux juste saluer les gars, le ballon au triangle. Merci du Sporting. Merci beaucoup. On s'en va en finale pour la Coupe, la Régis 4. Merci beaucoup. Sam. Ah, les pas de moi, écoute. Avec la gang de gars, on est là, là. Salut à toute la ville de Rivière-du-Loup. On va avoir besoin de tout le monde en finale. On sait qu'ils vont être là. On va aller chercher ça chez Rivière-du-Loup. Sam, t'as un gars, ta place de vivre ça à Rivière-du-Loup. C'est ça, hein? C'est sans mots. On va ramener ça à Rivière-du-Loup, on est ici en préparant. Sylvain, toi aussi, ça fait longtemps que t'es à Rivière-du-Loup, t'as une longue carrière dans le monde du hockey. Est-ce que c'est un des beaux moments dans ta carrière que tu vis ce soir? Ça va être encore plus beau quand on gagne la coupe. J'ai gagné une coupe, mais là, je dirais que dans ma vie, j'ai jamais voulu gagner de même. Pour les partisans, les propriétaires, tout le monde, les gars qui ont joué ensemble 4-5 ans. Donc là, on va savourer ce soir, on va se poser pour cette semaine. On va attendre qu'on gagne. Puis on va être prêt pour une grosse finale. On va être prêt avec peut-être le retour de Francis Trudel, Kirill Touloupov. J'imagine que ça aussi c'est une motivation supplémentaire. Trudel, je pense que tout le monde veut qu'il soit en finale. Oui, tellement le fun. On est avec nous autres, avec Chad aussi, s'il nous suit. Francis, avant les parties, tellement inspiré pour nous autres. Écoute, je pense que Francis, il a sur une bonne voie. Là. On le voit, il fait le semblant chaque jour. Donc on espère que les deux vont être là. Alain Gunter qui est au bord des larmes. Hey Alain. Wow! Hein? L'année passée, tu disais, on veut passer une ronde. Et là, on est rendu en grande finale de la Ligue nord-américaine. Effectivement, regarde, c'est un rêve pour moi. Pour moi, c'est un rêve. Et je suis vraiment satisfait. Je suis fier de tout le monde. Je suis fier de l'organisation des joueurs. Puis, tu sais, il faut faire attention. Il faut pas généraliser ce qui s'est passé ce soir. C'était vraiment une minorité. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les ligues. C'était vraiment un beau match de hockey. Là. Puis, regarde, Eric, les coachs, je me l'ai dit, Ricardé, il dit. C'est à la guerre, vous l'avez mérité. C'est ça, je pense qu'on rend crédit aux Prédateurs, malgré tout ce qui s'est produit dans les gradins. Les Prédateurs vont en faire quand même toute une opposition. Effectivement, ils n'ont pas été faciles. Ça va être juste être bon pour nous autres, la finale. Ils nous ont appris à survivre, à la guerre. Puis, regarde, c'est pour moi, je suis vraiment ému, là. Alain, dernière question avant de te laisser aller. Tu as pris une décision audacieuse d'aller avec Guillaume Bessel. Je pense que tu t'es fait tout un cadeau ce soir. Moi, j'ai qualifié sa performance d'une des grandes performances de la part d'un gardien de but à Rivière-du-Loup. Est-ce que tu as la même opinion que moi? Effectivement, j'ai pris une décision, j'ai pris, comme on dit, c'est une décision, c'est un feeling de l'entraîneur. C'est décidé depuis lundi passé que c'était lui qui gardait les buts aujourd'hui. C'est décidé. Ouais. Oui, fait que, regarde, je pense qu'on ne s'est pas trompé, puis chapeau, je suis vraiment content. Merci beaucoup, Alain. Donc, oui, je vais continuer. Je ne laisse pas le temps de parler parce que j'ai envie de parler également avec Jean-François.